Alors, ça y est, tu t'embarques pour Sidi Belabès? 5 ans à la Légion? Eh ben, mon pauvre Pierrot, tu as du cran. Eh, j'ai su que je mets ma ceinture, oui. À 11 h, on embarque pour Oran. J'aime pas ma femme. Hein? Ma femme. Je l'aime pas. Je n'aime pas ma femme, non. Il y a 6 mois que je vis avec une femme que j'aime pas. Je sors avec elle, je rentre avec elle, je mange avec elle, je couche avec elle, et je n'aime pas. Hein? Oh, bonne mère, mais je suis en pleine mer. Dites-moi, j'ai peut-être eu tort de l'embarquer sans prévenir la place. Pourquoi? Pas du tout, au contraire. Oh. Vous lui avez évité une punition, commandant, c'est très bien. Je le ferai habiller au petit dépôt à Oran. Grâce à vous, il pourra rentrer chez nous, à Sidi Belabès avec la conscience tranquille. Ça si va... vous permettez, je vais l'interroger devant vous. Vous voulez? Si vous voulez, oui, vous en profiterez pour lui laver la tête, hein, puisque nous passons l'éponge. Ouais. Thor, voulez-vous donner l'ordre qu'on m'amène l'homme d'hier soir? Alors, tu t'es engagé sur un coup de tête et maintenant tu le regrettes, hein? Tu as tort. On te dit que chez nous, on réformait les faibles d'esprit, alors tu joues les piquets. Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous pouvons vérifier tes histoires. Comment t'appelles-tu? Espitalien Fernand Esculape Siméon. Tu es de Marseille? Parfaitement, oui. Où habites-tu à Marseille? À Montréal. Vous voyez, commandant, comme c'est simple. Il est de Marseille et il habite Montréal. J'ai dit par 3, j'ai pas dit par 4. Alors, un peu de sujet, mes enfants, hein? Direction le quartier, en avant. Hein? La solidarité, le respect des traditions, le culte des morts, tout ce que l'on ne rencontre que chez ceux qui vont vers le même idéal, sous les plis du même drapeau. Légionnaires, vous êtes au service de la France et de la civilisation. Plus souvent encore que les armes, nous vous mettrons les outils en main. Et vous suivrez ainsi l'exemple de vos anciens qui bâtirent des villes, tracèrent des routes, bâtirent des ponts, défrichèrent des terres, plantèrent des arbres et pacifièrent des peuples qui autrefois ne vivaient que de rapines et de guerres. Légionnaires, je compte sur vous. Comme vous pouvez compter sur moi. Y'a la veuve. Repos. Vous n'avez qu'à mettre une annonce dans les journaux de Marseille. Ainsi conçu. Toutoune. Je suis à Sidi Belabès en cage, ton ex-cousin Fernand. Faut qu'elle ne sorte. Si 48 heures après, elle ne rapplique pas, je veux qu'on me la coupe. La langue. Alors maintenant, je viens vivre. Hein? Si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à venir me chercher. Oui. Je suis à l'hôtel Continental. C'est le premier à gauche en tournant. Au revoir, messieurs. Hey. On rigole le dimanche depuis que monsieur roucoule. Allez, allez, tu ne sois pas jaloux. Jaloux, moi, dis, on passe la main. Ah. Tiens, t'as qu'à demander à Ali Benhamed, celui qui tient les bains de vapeur. Combien que c'est-il que j'en ai des poulettes qui roucoulent après moi? Hein? N'empêche que depuis quelque temps, le Fernand et la Maryse, ils nous s'aiment un petit peu. Ils nous s'aiment? Ils s'aiment, tout simplement. Ça n'est pas mauvais, hein?
Oh, mais il fait chaud, bonhomme. Tu devrais sortir avec un casque. Ah, colonial. Comment peux-tu laisser ta femme sans nouvelles? Tu n'es pourtant pas sans cœur. Je suis pas sans tête non plus. Le jour où ma femme saura où je suis, elle y sera elle-même 48 heures après. Non, mais tu te représentes toutou le répliquant ici, à Sidi Balabès. Dites-moi, mon ami, où pourrais-je voir les légionnaires? Oh, madame, aujourd'hui, c'est dimanche. Vous ne trouverez pas les légionnaires au quartier. Monsieur le légionnaire qui sont dans les cabarets ou bien sur la place Carnot écoute la musique. Bien, merci, mon ami. Tenez, oui, madame. Montez ça dans une chambre. Merci. Une chambre à deux lits. Oui, madame. Je ne rêve pas, voyons. Au nom de Dieu, je suis foutu. T'inquiète pas, mon pote, on va te flanquer. Attention, on arrive par ici. Vas-y, roule, viens, roule, mon gars. Mais je tiens à le voir tout de suite. C'est mon mari, monsieur. Je regrette, madame, mais personne n'est autorisé à voir un légionnaire sans l'avis préalable de son capitaine. Mais mon mari n'est pas légionnaire, monsieur. Alors, il n'est pas à la caserne, madame. Mais si, mais si. T'as avalé une mouche, toi. Venez, venez voir. La voilà. Durand. Hé, Durand, le capitaine te demande. Ça y est. Oh, je suis foutu. Dis, tu vas coucher le capitaine, on va jamais, tu prends le pire du canon, voilà. Ça va, je sais plus où je suis, moi. Tu vas être obligé, ça. Pas de fois, si ma femme a parlé au capitaine, et c'est le capitaine l'a cru, mais c'est fini, mon ami. Oh, bonne mère. Faites que tout se passe bien, il y a ma libération. Je vous porterai un cierge gros comme ça. La 9e part demain matin, pour le sud. Relever une compagnie de tirailleurs. Tu vas quitter Belle Abbesse. Pour longtemps, mon capitaine. Oh, 3 mois. Merci, mon capitaine. Va, mon petit. Légionnaire. Dis la Légion. La Légion. T'es légionnaire, toi? Si je suis légionnaire, moi. Durand, Taonite, l'action d'éclat. C'est moi? Ah, et alors, tu lâches la Légion? Tu es fou. Le temps de régler une petite affaire de famille. Et j'y retourne. Moi, lâcher la Légion? Bonne mère.